Un sergent dans un petit village aperçu parmi des soldats une fille dont le fin corsage modelait les vrais appâts. Quelle est cette beauté qui respire la santé et resplendit comme un soleil d'été? C'est Marie, la fille à l'infirmière. C'est Marie, le béguin du régiment. C'est Marie, qui fait pas de manière et pas de boniment. Chacun la veut en mariage. Elle a vraiment des avantages. Mais Marie, la fille à l'infirmière, écoute que sa maman. Il y a de l'amour et du bon temps. Elle a 20 ans. Le lendemain, avec le capitaine, à son tour, voit la belle enfant. Puis ce fut vers la fin de la semaine que s'amena le commandant. Et quand vint le colon avec ses 5 gallons, on entendit chanter dans tout le vallon. C'est Marie, la fille à l'infirmière. C'est Marie, le béguin du régiment. C'est Marie, qui ne fait pas de manière et pas de boniment. Il y a l'amour et du bon temps, elle a 20 ans. Le lendemain, une voiture légère s'arrêta devant le moulin. En sortit le ministre de la guerre qui venait visiter le patelin. Avant qu'il ait demandé quelle est cette beauté, de l'est à l'ouest on entendit chanter. C'est Marie, la fille à l'infirmière. C'est Marie, le béguin du régiment. C'est Marie, qui ne fait pas de manière et pas de boniment. Il y a l'amour et du bon temps, elle a 20 ans. Mais voilà qu'un deuxième classe, un petit gars pas mal balancé, annonça sans se payer d'audace qu'il venait de se fiancer. Quelle est donc la beauté que tu as dégotée? Alors il répondit sans hésiter. C'est Marie, la fille à l'infirmière. C'est Marie, le béguin du régiment. C'est Marie, qui ne fait pas de manière et pas de boniment. Un jour dans le petit village, on célébra leur mariage. Et Marie, la fille à l'infirmière, n'écoute plus sa maman. Il y a de l'amour et du bon temps. Elle a 20 ans. J'ai dû boire un peu trop ce soir. Je ne peux plus quitter le comptoir. Je suis bien sur mon tabouret. Je vois pas pourquoi je le quitterais. Le barman me fait signe comme ça. Ça veut dire la sortie, c'est là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais toujours essayer. Je vois bien les réverbères. Tiens, ils marchent deux par deux. Y'a pourtant rien à faire pour passer au milieu. J'ai dû boire un peu trop ce soir. Je crois que vous voulez savoir pourquoi je me suis enivré. Je vais essayer de m'en rappeler. Voilà maintenant, ça me revient. En rentrant chez moi, je me souviens, il n'y avait plus personne à la maison, mais juste un mot sur le guéridon. Adieu, je m'en vais, ne m'attends pas. Et c'est ma femme qui m'écrit ça. Soudain me voilà parti comme un fou. Je marche au hasard, je vais n'importe où. Et je ne me rappelle plus combien
j'ai fait des bars américains. Voilà pourquoi j'ai vu ce soir que je marche pas droit sur le trottoir. C'est pas la peine de vous moquer, ça pourrait bien vous arriver. Je vois les gens qui me regardent comme ça en disant qu'est-ce qui tient celui-là. S'ils savaient comme ça passe le temps, je suis sûr qu'ils en feraient tout autant. D'ailleurs j'ai moins de peine, ça finit par passer. Mais tiens, voilà la scène. Qu'est-ce que j'ai dû marcher? Ça me donne soif de voir l'eau en bas, mais vous me faites les gros yeux, pourquoi? Je ne boirai plus après ce coup-là, je vous jure que c'est la dernière fois, je vous jure que c'est la dernière fois.